ci curibemma, no so do che rimba, cicu ci cicu cia melimba meliwe, cicu ci cicu cia melimba meliwe. Bienvenue aujourd'hui pour découvrir ensemble la kalimba, la sansa, la cambri, le ngun, le piano à pouce. Ce petit instrument fait de bois, de lames en métal, en bambou, en roseau, nous vient du cœur de l'Afrique, de la Centrafrique. Mais très vite, il a voyagé tout autour de ce continent et on le trouve maintenant dans la plupart des pays d'Afrique. On le trouve même jusque de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique, où les esclaves l'ont emmené avec eux lorsqu'on les a envoyés travailler dans les champs. Cet instrument accompagne très souvent les berceuses, les comptines et les histoires que les griots aiment raconter au pied des arbres, au pied des baobabs du cœur de l'Afrique. Dans le village de Dio, vivait Djibril. Djibril vivait avec son papa, mais il n'avait plus sa maman. Au bout de quelques années, le père de Djibril a voulu se remarier. Il est allé à la ville où il a trouvé une épouse. Avec cette épouse, ils ont une petite fille, Awa. Et Djibril s'en est occupé de sa petite sœur, comme un grand frère aimant. Aimant, ce n'était pas ce qu'était la belle-mère de Djibril. Dès que sa petite fille est née, elle ne voulait plus s'occuper du garçon. Et dès que le père retournait travailler à la ville, la belle-mère s'en prenait à Djibril. Elle lui jouait tout tour de méchanceté. Elle n'arrêtait pas de l'embêter, de le rouspéter, voire de le frapper. Un jour, par exemple, elle appela les deux enfants à venir manger. Elle leur dit « Lavez-vous les mains avant de venir manger. » Pour sa fille Awa, elle donna une bassine d'eau propre et du savon. Pour son beau-fils, elle donna un seau bleu rempli de peinture bleue. Djibril, n'y prenant pas attention, a plongé ses mains dans le seau et les a ressorties toutes bleues. Il avait honte de lui, il cachait ses mains derrière lui. Mais très vite, la belle-mère l'a fait venir, lui a demandé de montrer ses mains, et lorsqu'elle a vu la peinture bleue, elle l'a grondé. Elle lui a dit de s'en aller et de ne revenir qu'une fois que ses mains seraient propres et qu'il ne pourrait pas manger avant le soir, puisque c'était comme ça. Alors Djibril est parti. Ses pas l'ont guidé jusqu'au fleuve. Il s'est lavé les mains dans le fleuve. Et puis, tout naturellement, il a levé le regard vers l'autre côté du fleuve où il y avait le cimetière sur la petite île. Le cimetière où était enterrée sa maman. Il a pris une barque et il est allé lui rendre visite. Arrivé sur la tombe de sa maman, il a commencé à fredonner la berceuse qu'elle lui chantait quand il était petit. Où elle est, Melimba, Meliwe. Où elle est, Melimba, Meliwe. Alors qu'il chantait, il a vu tomber devant lui quelques fruits. C'était le manguier qu'il y avait à côté de la tombe de sa mère qui lui donnait des fruits. Djibril les a ramassés, les a mangés. Les mangues étaient succulentes. Il a remercié l'arbre et il est retourné chez lui, le ventre plein et le sourire jusqu'aux oreilles. Le soir, il est venu à table. Comme il ne mangeait pas beaucoup, sa belle-mère s'est posée des questions. Il s'est dit, celui-là, il a surveillé.
Le lendemain midi, la même scène s'est reproduite. Mais Djibril n'a pas voulu se laver les mains. « Tu ne veux pas te laver les mains ?» dit la belle-mère. « Puisque c'est comme ça, tu seras privé de repas. Va-t'en, tu ne reviendras que ce soir. » Et Djibril est reparti vers le fleuve qu'il a traversé. Djibril est reparti vers la tombe de sa mère sur laquelle il a chanté. « où elle est, Melimba, Meliwe ?» Sitôt la chanson finie, de nombreux fruits sont venus à ses pieds. Djibril a de nouveau remercié le manguier et il a dévoré. Lorsqu'il est rentré chez lui cet après-midi-là, la belle-mère était sur le pas de la porte et l'attendait. Djibril, tu as l'air d'avoir le ventre plein, tu as encore du sucre qui coule de la bouche. J'espère que tu n'as rien volé. Où as-tu trouvé de quoi manger ? Djibril, qui était brave, qui ne savait pas mentir, a raconté toute la vérité. La belle-mère a voulu savoir où se trouvait ce cimetière, où se trouvait cet arbre, où se trouvaient ces mangues. Djibril l'a amené. Dès qu'ils sont arrivés au pied du manguier, la belle-mère s'est retournée vers Djibril. « Chante maintenant, chante, pour que je puisse avoir des fruits moi aussi. » Et Djibril a chanté. Où elle est, Melimba, Meliwe. Dès qu'il a chanté, des fruits sont tombés. Et la belle-mère les croquait à pleines dents. Elle les dévorait, elle les mangeait. Oui, mais ça ne lui suffisait pas. Chante, chante plus fort, disait-elle. Elle a fini par grimper dans le manguier. Et elle attrapait tous les fruits qu'elle pouvait. Elle montait encore plus haut. Mais chante, chante plus fort, te dis, j'ai faim. Et au bout d'un moment, le manguier, les branches du manguier se sont refermées sur la belle-mère. Le manguier s'est mis à tourner à toute vitesse et lorsqu'il a rouvert ses branches, une petite mouche en est sortie. Une petite mouche qui avait l'air aussi en colère que la belle-mère et qui s'est en allée à travers le désert. Voilà comment sont apparues les mouches en Afrique. Voilà pourquoi les mouches aiment le sucre. Où elle est, mais...